Salam. Aujourd'hui, j'aimerais parler des distractions qui prennent de plus en plus de place dans notre vie et qui nous empêchent d'apprendre notre religion. Alors, les distractions, le divertissement, c'est quelque chose qui est autorisé en soi lorsqu'il ne comporte rien de haram, d'interdit en islam, et qu'il n'empêche pas d'accomplir ses obligations religieuses. Ça, c'est le plus important. Donc, vous avez le droit de vous distraire de temps en temps, voilà, à condition que ça ne soit que quelque chose de secondaire et non pas de prioritaire. À l'époque du prophète Aïssatoussalem, il y avait peu de distractions. Bon, à l'époque, il vivait dans le désert, donc voilà, il y avait peu de constructions, peu de divertissements, de lieux où se divertir, comparé à maintenant. Et à l'époque, les divertissements qu'il y avait, c'était le tir à l'arc, la marche, l'équitation, la natation, le temps qu'on passait avec sa famille à faire des activités qui étaient autorisées. Si on regarde les hadiths, on se rend compte que le prophète sallam nous a dit, dans le premier hadith par exemple, tout ce par quoi le musulman se divertit est batil, est nul, sauf le fait qu'il tire à l'arc, qu'il entraîne son cheval ou qu'il joue avec son épouse. Ces actions relèvent du haqq. Donc ce premier hadith, en fait, il nous indique le type d'activité de distraction, de divertissement autorisé. Un autre hadith dans lequel le prophète nous dit qu'il a participé, on apprend qu'il a participé à une compétition de tir à l'arc. Dans d'autres hadiths, qu'il avait organisé des courses de chevaux sans mise d'argent. Ou alors qu'il avait fait une course à pied avec son épouse. Si vous regardez bien, en fait, tous ces types de divertissements, il y a un intérêt derrière. C'est ça qu'il faut comprendre. Par exemple, le tir à l'arc, bah, c'était pour apprendre à se défendre en cas de guerre. Le cheval, pareil. Alors, le cheval, c'est pour deux choses. Pendant la guerre, certes, mais aussi, c'était un moyen, bah, c'était comme la voiture, en fait. C'est comme si vous appreniez à conduire une voiture maintenant. C'est important pour aller d'un point A à un point B en toute sécurité et assez rapidement aussi, et pour transporter avec vous des choses. Jouer avec son épouse, avec sa famille, c'est important pour maintenir les liens de parenté, les liens de famille et donner son haqq à chaque membre de sa famille, hein, parce qu'on a tous besoin de passer du temps avec les membres de notre famille. Hein. La natation, c'est important, bien évidemment, pour ne pas se noyer. Donc voilà, il y avait toujours en fait un intérêt derrière ces distractions. Donc on peut se distraire, hein, mais il faut réfléchir et se dire qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie? Qu'est-ce que cette distraction va m'apporter qui va m'aider au quotidien dans ma vie ou dans un futur proche ou en cas d'imprévu ou de quoi que ce soit en fait? C'est ce qu'il faut se dire. De nos jours, on a de plus en plus de distractions à notre disposition, hein, c'est pas ce qui manque, mais il faut apprendre à s'autodiscipliner, à se contrôler pour ne pas succomber en fait à toutes les tentations, tout ce qui se présente devant nous. Faut analyser son quotidien pour voir la place que prend justement le divertissement dans notre vie et surtout comprendre le pourquoi. Elle est là la clé. La clé, c'est de comprendre pourquoi est-ce que vous avez besoin d'autant de divertissement dans votre vie. Le divertissement, il intervient à quel moment? Il intervient lorsque votre âme s'ennuie, car elle ne trouve rien à faire. Donc, dès que vous vous ennuyez, votre âme elle peut pas rester immobile sans rien faire. Elle a besoin de s'occuper, trouver quelque chose. Et donc, du coup, elle va aller vers la facilité, le divertissement, regarder la télé, écouter, je sais pas quoi. Enfin, bon, voilà. Pourquoi est-ce que vous ne trouvez rien à faire? Parce que vous n'avez pas de but dans votre vie. C'est simple, vous n'avez aucun projet dans votre vie. Si vous aviez des projets dans votre vie, si vous aviez des responsabilités, des choses à faire au quotidien, vous ne vous ennuierez pas. C'est pas possible en fait quand on a un projet. Donc, pour lutter contre l'ennui, il faut avoir des projets dans votre vie. Alors, ces projets-là, c'est ça qui va vous aider en fait à combattre justement votre nefs, qui va vous pousser en fait à avoir recours au divertissement. Quel genre de projet? Alors, ça peut être des projets de n'importe quelle nature. Hein. Donc, ça peut être, par exemple, se former dans un domaine particulier, qu'il soit religieux ou pas. Hein. Donc, par exemple, vous voulez vous former dans la médecine prophétique, si c'est quelque chose de religieux, ou dans un domaine particulier en hadith, ou quoi que ce soit. Ou alors, si c'est pas religieux, vous voulez vous former pour devenir comptable, ou autre, peu importe.
ou avoir une spécialité dans votre domaine. Ou alors, vous pouvez décider comme projet de construire quelque chose. Vous voulez construire une petite cabane ou je ne sais pas quoi, peu importe. Ou réparer quelque chose qui a besoin d'être réparé depuis très longtemps. C'est un projet. Voilà, vous allez réfléchir à quel matériau vous devez acheter, comment vous allez vous y prendre, vous faites des recherches. Voilà. Vous pouvez écrire un livre, ça aussi c'est un projet, ça demande du temps de réfléchir à l'organisation du livre, de l'écrire et tout ça. Voilà, il y a plein de projets que vous pouvez mettre en place. Et donc vous devez commencer à réfléchir à quel type de projet vous voulez mettre en place, qui peuvent être utiles, bien entendu, qui vont vous servir au quotidien ou alors qui vont servir la Oumma. Alors, quand je vous disais qu'il faut analyser votre propre vie pour voir pourquoi le divertissement prend autant de place et quel type de divertissement est le plus récurrent dans votre vie, prenez un papier, vraiment, ou vous faites ça sur votre ordinateur, et vous listez toutes les activités que vous faites sur votre temps libre. Et vous prenez ça sur une semaine. Sur une semaine, en règle générale, qu'est-ce que vous faites quand vous ennuyez, quand voilà, vous avez besoin d'un break ou quoi que ce soit? Parce que des fois, on se dit juste, c'est bon, je vais juste prendre un petit break, une petite pause. Et en fait, cette pause-là, elle dure pendant 4-5 heures. Donc, c'est plus une pause. On va être honnête. Donc, faites le tri des activités. À gauche, vous mettez toutes celles qui vous apportent quelque chose, qui apportent quelque chose à la communauté, voilà, qui vous apportent une connaissance, des hsnet, qui aident d'autres personnes, voilà. Et à droite, vous mettez tout ce qui ne vous apporte rien de concret, en fait, grosso modo. Par exemple, vous regardez la télé, vous regardez une émission de divertissement, vous avez appris quoi au final? Bah rien, vous avez juste rigolé un petit peu. Pendant 2-3 heures, vous avez rigolé, mais en fait, vous n'avez rien appris. Ça ne vous a pas nourri intellectuellement, ça ne vous a pas aidé à apprendre quelque chose ou aider quelqu'un. Bon, ça vous a juste diverti, c'est-à-dire vous avez rigolé pendant 2-3 heures. Vous aurez très bien pu rigoler pendant juste 5-10 minutes en regardant un petit sketch, éventuellement. Mais voilà, vous avez passé 3-4 heures là-dessus, en fait, à regarder la télé pour quelque chose qui n'en demandait en fait que 5 minutes. Donc du coup, c'était une perte de temps. Donc vous vous rendez compte en le marquant sur écrit, par écrit, que le temps que vous avez passé à cette activité-là, vous aurez pu le passer à faire autre chose de beaucoup plus utile. Une fois que vous avez fait cette liste, donc vous allez regarder dans la catégorie des choses qui sont inutiles, qui vous font perdre du temps, qui ne vous apportent rien dans la vie, et vous allez voir comment vous en éloigner, comment les supprimer ou vous en éloigner. On va prendre les cas les plus concrets hein, que moi j'entends autour de moi, c'est Netflix par exemple, ou les applications de jeux sur le téléphone portable. Donc là, très, très concrètement, en fait, vous les supprimez, vous changez les mots de passe, la télé, vendez-la. Moi, personnellement, je n'ai pas de télé chez moi. Alors après, on va dire, oui, mais la télé, on peut la remplacer avec l'ordinateur, maintenant, tout le monde. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que l'ordinateur, on n'a pas accès, en fait, aux chaînes de manière continue comme ça. Enfin, je pense pas. Peut-être que je me trompe. Et puis, si vous êtes sur votre ordinateur, c'est que vous pouvez travailler sur autre chose. Donc, du coup, vous n'avez pas passé autant de temps sur votre ordinateur à regarder la télé que quand vous êtes devant une télé en soi. Donc voilà, donc prenez le temps de bien faire cette activité-là, de bien tout noter, soyez honnête avec vous-même. Si vous avez vraiment une bonne IA, soyez honnête avec vous-même et n'hésitez pas à le faire, vraiment à supprimer, résilier vos abonnements, changer les mots de passe avec des mots de passe que bidon, enfin voilà, que vous pourrez, dont vous ne pourrez pas vous souvenir. Comme ça, vous ne serez pas tenté de pouvoir vous réinscrire. Bon, après, il y a toujours des moyens de recouvrir son mot de passe, mais faites-le, voilà. Et essayez au moins de vous forcer à le faire. Et ensuite, vous allez devoir remplacer toutes ces activités-là par d'autres activités qui sont utiles. Parce qu'en fait, si vous retirez toutes ces activités inutiles et que vous ne faites rien à la place, votre âme elle va s'ennuyer et elle va retomber dans le même travers et rechercher d'autres activités. Ok, je ne peux pas voir Netflix, bon, bah, je vais chercher une autre plateforme, autre chose. Puis en fait, vous allez retomber dans les mêmes travers. Donc, il faut absolument que vous retrouviez d'autres activités. Donc, discutez-en avec vos proches. Voyez quel genre de projet vous pouvez mener avec vos proches ou tout seul. Alors, idéalement, pour ceux qui ont des problèmes au niveau des distractions, il est bien de trouver des projets qui se font en groupe. Alors en binôme, minimum à deux, ou en groupe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez vous entraider et vous allez vous sentir obligé, responsable et vous ne pourrez pas en fait vous dérober. Je vous donne un exemple. Vous prenez par exemple des cours en groupe et en individuel ou peu importe, mais
pour lesquelles vous ne pouvez pas vous absenter. C'est-à-dire que si vous ratez le cours, vous savez que vous n'aurez pas la possibilité de déplacer le cours. Si vous êtes en groupe, vous ne pourrez pas le déplacer. Tout le monde ne va pas accepter de déplacer le cours juste pour vous parce que vous êtes absent. Et vous savez que si vous n'assistez pas au cours, ça va être difficile de rattraper le cours, de comprendre la leçon parce que la prof ne va pas vous refaire un cours rien que pour vous. Donc là, ça va vous forcer un petit peu. Ça va vous forcer à être régulière et à assister en fait à tous les cours. Si vous prenez des cours en individuel, prenez des cours en individuel où les cours ne peuvent pas être rattrapés non plus. C'est-à-dire que vous les ratez, tant pis, vous perdez votre argent. Comme ça, ça va vous forcer à assister aux cours et à être régulier. Parce que moi, je le vois par exemple qui donne des cours en individuel. Il y a beaucoup de personnes qui, parce qu'elles ont un truc à faire, vont se dire « Non, mais en fait, je dois aller là-bas, je dois aller faire mes courses, je dois accompagner ma mère, je dois faire ceci. » Non, vous devez organiser votre vie autour de la religion, pas l'inverse. Donc du coup, il faut que vous appreniez à vous organiser, à vous structurer. Si vous décidez d'enseigner quelque chose à quelqu'un, à un enfant, par exemple, vous voulez lui enseigner l'alphabet arabe, aux petits-enfants, vous devez préparer vos cours, et vous devez les réviser. Donc là, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas en fait arriver en cours devant vos enfants, devant vos élèves, et vous n'avez rien préparé. Donc là, vous êtes obligé de vous autodiscipliner. Si vous décidez de construire quelque chose, surtout si c'est pour quelqu'un qui vous demande « est-ce que tu peux m'aider en fait à réparer telle chose ou à construire telle chose ?» Vous ne pouvez pas lui dire « ouais, écoute, la semaine prochaine, non, j'ai pas envie de passer, on verra ça dans deux semaines. » Non, ça ne se fait pas. La personne, elle a commencé, elle vous attend, vous êtes engagé, vous devez respecter vos engagements. Donc, essayez de faire des choses en groupe ou alors si vous les faites en individuel, dans ces cas-là, il va falloir que vous fassiez attention à plusieurs choses. Donc, si vous décidez de faire ces activités en solo, parce que vous trouvez personne pour partager ces activités avec vous, personne qui a les mêmes intérêts que vous, il faut que vous soyez encore plus autodiscipliné. Et dans ces cas-là, vous devez vous fixer des objectifs. Mais vraiment clair, il faut les marquer par écrit, c'est-à-dire je veux faire telle chose, je veux apprendre telle chose avec, avant telle date. Voilà, vous essayez de vous fixer une date. Il faut toujours se poser des deadlines. Même si vous ne les respectez pas tout à fait, c'est-à-dire que vous avez 2-3 jours de retard, une semaine, mais au moins il faut vous fixer des deadlines, des objectifs. Alors des objectifs qui sont réalisables, attention. Ambitieux, certes, mais réalisables. Par exemple, si vous dites je veux terminer le Coran en 3 mois, pourquoi pas ? Mais si vous-même, vous avez déjà du mal à mémoriser Sourate al-Fatiha, faut être honnête, faut être réaliste. Commencez par des paliers. Dites-vous, voilà, je veux terminer Juzama avant la fin de l'année, par exemple, ou d'ici 6 mois, enfin, peu importe. Ou alors, je veux apprendre toutes les règles de Tajwid, je veux les apprendre de manière intensive en 1 mois, 2 mois, 3 mois, et voilà. Et être capable de pouvoir après les enseigner. Des petites choses comme ça, où je veux construire telle chose et la personne, elle en a besoin avant telle date parce qu'elle a besoin de l'utiliser à telle date. Voilà. Essayez de vous fixer des objectifs clairs et atteignables. Créez-vous un planning. Alors, si vous pouvez avoir un tableau à la maison, vous mettez un tableau blanc à la maison et vous marquez en fait tout ce que vous avez à faire pour chaque jour. Vous marquez de lundi à dimanche et tout ce que vous devez faire du lundi au dimanche. Vous créez vraiment un planning des activités de la semaine. Prenez des notes aussi, ça c'est important pour ceux qui veulent étudier une matière. Moi j'ai beaucoup d'élèves en fait qui étudient les règles de les Tajwid avec moi ou le Coran, mais qui prennent pas de notes et qui pensent qu'ils vont juste en fait retenir les explications que je leur donne parce qu'en fait tout est enregistré, les cours sont enregistrés. Et donc ils se disent bon c'est pas grave, je vais réécouter les enregistrements, sauf qu'ils les réécoutent pas les enregistrements. Et on ne sait plus en fait c'est dans quel enregistrement que j'avais expliqué telle et telle chose. Il faut que vous appreniez en fait à prendre des notes. Vraiment comme à l'école, un cahier et vous écrivez tout. Et ensuite vous remettez tout au propre, comme on faisait à l'école. Hein. On remettait tout au propre, on soulignait, on écrivait en couleur, les titres, ceci, cela. Il faut que vous appreniez à vous réorganiser. Alors tout ça, ça a l'air simple hein, quand je le dis, mais on ne va pas se mentir, au départ ça va être dur. Parce que votre âme en fait, elle va être en manque. En manque de ces activités, ces divertissements que vous lui avez retirés. Parce que vous n'allez peut-être pas forcément retrouver tout de suite une activité pour les remplacer. Et donc du coup, ou alors vous allez retrouver une activité, mais vous n'allez peut-être pas retrouver le même plaisir au départ, parce que les activités, quand vous commencez un nouveau projet, au départ, le démarrage est un peu difficile. Et donc du coup, vous allez regretter un petit peu le temps avant, ou passé, où c'était beaucoup plus sympa, où vous vous preniez moins la tête et c'était beaucoup plus relaxant. Non, il faut lutter. C'est un travail énorme à faire sur son nefs, mais il faut le faire.
C'est une sorte de sevrage. Il faut passer par une période de sevrage. Il faut laisser le temps à votre âme de goûter aux nouvelles activités et de les apprécier, de les aimer et de vouloir les développer et les multiplier. Donnez-lui ce temps-là à votre nefs. Ne vous précipitez pas dès le départ en vous disant « Non, non, mais franchement, ça ne m'intéresse pas ce projet. » Non. Continuez. Au départ, c'est difficile. C'est normal. C'est un grand changement pour votre nefs, pour votre âme. Mais laissez-lui le temps de s'adapter. On est tous capables de s'adapter. Tous, êtres humains, on est capables de s'adapter. On a juste besoin d'un peu de temps. Certains ont besoin de plus de temps que d'autres. D'autres ont une capacité d'adaptation qui est beaucoup plus rapide. Moi, par exemple, qui ai été consultante, il fallait qu'on apprenne à s'adapter très rapidement aux nouveaux clients, à un nouvel environnement. C'était quelque chose qu'il fallait faire très rapidement. En moins d'une semaine, il fallait qu'on soit opérationnel. Mais on était formés pour ça et on avait les capacités pour. Il y en a d'autres, ce n'était pas possible. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient moins bons. Loin de là, ils avaient juste besoin d'un peu plus de temps. Mais une fois qu'ils étaient adaptés, ils étaient parfaits dans leur travail. Donc chacun... sa vitesse en fait de croisière, comme on dit. Mais surtout, ne lâchez rien. Et surtout, entourez-vous de gens qui vont vous aider. Parlez de vos projets, enfin pas à tout le monde, parce que voilà, il ne faut pas trop parler de ces projets, mais parlez-en à une ou deux personnes qui va vous demander régulièrement vos nouvelles. Alors, comment ça avance ce projet? Est-ce que ça va, tu t'en sors? Est-ce que tu as besoin d'aide? Qui va vous donner des petits conseils? Et ça va vous rebooster, vous voyez? Et encore une fois, c'est mieux de travailler à plusieurs, parce que là, on s'entraide à plusieurs. Quand il y en a un qui a une baisse de foi, bah, l'autre va le rebooster. Donc voilà, qu'Allah nous facilite, qu'Allah vous facilite. Et n'oubliez pas le but de la vie. Réfléchissez bien à ça. Et la vie est courte. Ne l'oubliez pas. Assalamu alaikum.